Oh là! Et ici Marco, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dégustation. Ça faisait fort longtemps, c'est un type de vidéo que j'aime bien faire pour rigoler de temps en temps, pour vous montrer des petits produits, des petits trucs que je trouve qui sont un peu inopinés, on va dire. Et aujourd'hui, en ces temps de grande chaleur, mon meilleur ami, on va tester des boissons de la marque Monster Energy. Donc vous connaissez tous les boissons Monster Energy. J'ai déjà fait quelques vidéos sur ces boissons. Il fut un temps, c'était des boissons énergisantes à base de taurine, de tout ce que vous voulez. Des trucs qui font accélérer le rythme cardiaque, des trucs qui sont bons, des trucs qui sont... voilà. Le manque d'adjectifs. Et aujourd'hui j'ai trouvé à Carouf des boissons de la marque Monster, mais c'est des boissons donc glucose Powerade. Donc vous connaissez tous les boissons Powerade, hein. Il y a la rouge, la bleue, la jaune un peu transparente au citron. J'adore les boissons de la marque Powerade et je suis tombé sur ça. Du coup il y a la orange, il y a la rouge et il y a la verte. Donc est-ce qu'il y a des goûts particuliers? Donc là c'est marqué Tropical Thunder, Mint Green, je sais pas pourquoi, et Manic Melon. Donc écoutez, il faut s'hydrater, hein. Il fait 43 degrés à l'heure actuelle à l'extérieur, il faisait 45 degrés hier, c'est génial. Écoutez les gars, on est parti, on va tester, voir directement qu'est-ce que ça vaut, si ça ressemble à la Powerade, s'il y a un goût de Monster, si je sais pas, si on va voir, let's go. On commence par la rouge, donc là, Manic Melon, on est chipar. Ça sent la pastèque. Pas le melon, mais ça sent la pastèque. Est-ce que c'est bon? Go. Oh, le goût de ouf. Je suis kécho. Alors, c'est bon. Ça a beaucoup de goût, mais on sent pas le goût du sucre. Dans le fond. Oh, je valide. Alors, ma chérie d'amour, tu peux rester derrière la caméra. Goûte. Dis-moi sérieusement ce que t'en penses. En vrai. Toi, pour toi qui aimes pas trop les trucs chimiques. T'aimes pas? Non? Qu'est-ce que tu pas trouves? Ce goût-là. Pas ce goût-là. Bon, je te ferai goûter. Ah, on dirait un médoc. Ah, ben, c'est un goût chimique, hein. Bon, on va tester la orange. Titoucha, elle nous dira derrière ce qu'elle en pense au fur et à mesure, du coup, en restant en off. Alors, celle-ci, c'est Tropical Thunder. Putain, je suis en train d'en foutre de partout. Donc, Thunder, c'est les éclairs. Tropical, c'est le tropique. Oh, ça sent un mélange d'orange et de fruits de la passion, je dirais. Putain, il faudrait que je regarde les ingrédients juste après, hein. Boisson énergisante, réduit la fatigue, vitamine B3, B6, teneur réduite en sucre, eau filtrée 3 fois. Waouh, on s'en branle un peu. Non gazeux, on est chipard. What? Alors, on dirait un mélange de Oasis. Je saurais pas définir. Un espèce d'Oasis, mais un peu plus péchu. Et un peu plus chimique en fait. Dis-moi ce que t'en penses de celui-ci. Tropical Thunder. Tu me dis si on dirait genre de l'Oasis. Un peu chelou genre. De l'Oasis chimique. La gueule qu'elle fait. T'aimes pas? C'est dégueulasse, tu peux le dire, hein. C'est dégueulasse. Elle a dit c'est dégueulasse. Mais moi j'aime bien. C'est chimique un peu. Ah non. Elle aime pas du tout. Moi j'aime bien. Après les goûts, les couleurs, moi j'ai l'habitude de boire de la Powerade. Je sais que elle de base, elle aime pas tout ce qui est Powerade et tout ce qui est boisson un peu comme ça. Bon bah écoutez, Mint Green, on passe au troisième. Alors, ça sent le citron vert. De ouf, ça sent le citron vert. Là, on peut pas hésiter. Let's go. Ça j'aime pas. Ça j'aime pas, c'est un goût de citron vert. On sent largement le citron vert, mais je sais pas. Dis-moi, ça j'aime pas. Pour moi, c'est du citron, mais ça sent... ça, c'est pas sucré, genre. T'aimes pas non plus? Ah, dis un mot. Berk. Berk. Ah, dis Berk. Bon, bah, voilà, comme ça, vous avez vu un petit peu mon ressenti, notre ressenti sur ces boissons de la marque Monster. Donc dans mes ordres de préférence, j'aime bien la rouge, j'aime bien celle-là, et celle-là, j'aime pas trop. Je vais quand même essayer de regarder les ingrédients. Donc, premier ingrédient, eau filtrée 3 fois, waouh, on s'en fout. Sirop de glucose, arôme,
taurine, il y a quand même de la taurine du coup. Acidifiant, acide citrique, correcteur d'acidité, phosphate de potassium, conservateur, stabilisant, gomme arabique, édulcorant. Il y a absolument rien concernant les goûts apportés à ces boissons. Donc on est sur du 100% chimique de la marque Monster. Même si c'est pas ultra bon, je vais les garder là près de moi parce que par ces temps de chaleur importante, il faut s'hydrater, c'est très important. Voilà, donc la présentation de ces trois boissons Monster. Dites-moi ce que vous en avez pensé, hein, si vous voulez tester, si vous avez déjà testé, dites-moi comment vous trouvez ces boissons. Voilà, c'était Marco, je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Bye bye tout le monde.